Bonjour Sadio, dis-moi s'il te plaît, pourquoi vous êtes ici au Forum mondial de l'eau? Oui, c'est une semaine internationale de l'eau. C'est un grand rendez-vous pour les spécialistes dans le domaine de l'eau et c'est une opportunité pour les échanges de savoir-faire et pour prendre également, pour découvrir les dernières innovations et stratégies pour développer le secteur de l'eau en Afrique. Et pour atteindre les objectifs du millénaire. C'est également une opportunité pour que les Africains se rencontrent dans le cadre du Conseil des ministres africains de l'eau. Donc il y aura une journée Afrique où toutes les initiatives africaines dans le domaine de l'eau et de l'assainissement seront revues. Et vous? Oui, je suis là pour le forum, la semaine mondiale de l'eau, pour représenter le Conseil des ministres, le secrétariat du Conseil des ministres africains de l'eau. Mmh. Qui organise une journée spéciale Afrique, mmh, au cours de laquelle on va parler de problèmes d'eau en Afrique, du programme de Conseil des ministres africains de l'eau, des engagements de Charles Malchek. Il y a 4 ministres qui vont être représentés, oui, ici. Il y a le ministre, la présidente du Conseil des ministres africains de l'eau, le ministre de l'eau et de l'environnement de l'Afrique du Sud. Il y a le ministre du Congo de l'hydraulique et de l'hydrogène, de l'énergie et de l'hydraulique. Il y a le ministre du Nigeria, chargé des ressources en eau, et le ministre de l'Ouganda. Et il y aura une session ministérielle au cours de cette journée Afrique. Et avant cela, on parlera de la qualité de l'eau, oui, en Afrique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance avec tout. Merci. 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 Merci.